Salut les amis, c'est Sando et on se retrouve comme comme chaque vendredi pour un nouvel épisode de Road to Master. Excusez-moi, attendez. J'ai mal à la gorge. Diamant 5, 31 points, si je dis pas de bêtises. Je suis monté à 67 points, tranquillement. J'ai fait deux défaites à la con. Je suis redescendu. Mais je suis content parce que finalement, au niveau des points perdus, points gagnés, ça s'est stabilisé et ça fait plaisir. Je perds plus 4 milliards de points, quoi. Ça va. Voilà. Alors, je suis quatrième pick. Ok. Je suis quatrième pick. Irelia top, d'accord. Y'a qui d'open là? Y'a Harry. Peut-être jouer mid, je vais voir. Oxalord va jungle. Je vais demander. J'ai plusieurs choix. Je peux rejouer Nasus. Je peux rejouer Nasus. Nasus top. J'attends juste que l'autre me réponde. Moi dans tous les cas je peux jouer l'un comme l'autre. Le problème c'est que j'ai pas la vision sur le mid. J'ai pas la vision sur le mid, donc ce serait me mettre en difficulté. Est-ce qu'il va répondre l'autre? Donc ok. Le cycle de la vie et de la mort continue. On va jouer Nasus. Ils mourront. Alors, hop. Les maîtrises, ça donne approximativement ça. Et pour les runes. Alors là, moi les runes je joue 15% CDR. Je joue 15% CDR plus les 5% des maîtrises, ça fait 20% CDR dès le départ. Ce qui fait qu'en fait dès que vous avez votre cœur gelé, vous êtes bien. Voilà. Dès que vous avez votre cœur gelé, vous êtes 40% CDR, donc en général à partir du niveau 9 environ. Donc là vous pouvez commencer à spam. PV niveau 18, armure en marque rouge, voilà. En quelque sorte. Est-ce qu'on a deux skins? Ah, j'avais le Nasus Infernal, mais Rito me l'a repris. Parce que j'ai truandé. Sando le truand. Hop, et on va faire une petite ellipse le temps que la partie se lance. Alors, ouf, putain la vache, ouh, j'ai failli misclick. Dis voilà, j'ai failli misclick. alors, Irelio. Alors, normalement, il y en a beaucoup qui me diront que Irelia c'est pas un bon. Enfin, Nasus contre Irelia c'est pas un bon match-up. Je sais pas ce qu'elle vaut. Mais moi en général, j'ai pas trop galéré. Enfin, de toute façon, Irelia c'est fort. Voilà, j'ai même. Vous l'attendez, Irelia c'est OP, c'est fumé. Ça, voilà. Et déjà, si on conteste, bah écoutez, j'irai dans ce cas-là, sortez un peu de votre grotte. Donc oui, Irelia c'est fumé. Donc dans tous les cas, je vais galérer. Mais. Car il y a un mais. Nasus. Dans tous ces match-ups, au fur et à mesure, il finit par reprendre le dessus. Donc, on va dire que on va chier dessus
jusqu'au niveau 9-11, et après à partir du niveau 9-11, si on n'est pas trop camp par le jungle adverse, ça devrait le faire. Losecamente, ça devrait le faire. On a une Evelyne en plus, Evelyne actuellement c'est très très fort. Evelyne actuellement c'est très très fort, donc j'espère qu'elle est bonne d'ailleurs. Étant donné qu'elle a un rang 5, logiquement ça devrait le faire. Alors c'est simple, si Irelia push, c'est win pour moi. Ok, okay, fallait te baisser. Ouais, mais elle a raison, elle a raison. Elle a raison. Faut jouer comme ça contre Nasus. Elle va vraiment me péter les couilles en fait. Mais ouais, ouais, vous voyez, elle prend du dégâts. Oh putain, par contre, elle a son niveau 2 donc je vais attendre. Perdu farm aussi. Elle est vraiment TB hein. Mon Z. Voilà, plus de vie. Hein. C'est à dire que Evelyn vient gank, Evelyn va prendre un kill. En gros. Et je vais pas regarder si elle a pris un TP. Bien que mal. Genre t'as pas pris l'aggro de la tour. Elle a TP aussi. Ok. L'avantage avec Irelia c'est que de toute façon même si même si je fais 400 d'armure, ça servira à rien parce qu'elle fait des dégâts bruts. Bon, je devrais pas prendre le trade, c'est une mauvaise idée. Et je vais un peu la forcer à claquer ses. Je vais un peu. Voilà. Nexus. Je vais un peu la forcer à claquer sa mana. C'est quoi? Un flacon. J'aimerais bien qu'Evelyn vienne, ce serait pas mal. La grâce guide. Premier sang. Là c'est free gank en plus pour Evelyn, c'est ça qui me saoule un peu. En plus depuis tout à l'heure l'autre elle était. Regardez les dégâts que ça fait, regardez ça. Et c'est pas beau ça? J'ai de l'armure hein. C'est ça le plus beau, c'est que j'ai de l'armure. Hein. 56 d'armure. L'autre elle s'en balèque. Elle frise bien en plus. Hop, hop. Ah putain, si je rate mes Q, ça va pas trop le faire. Combien? 37. Bon, ça va. Moi j'ai freeze. Hein. Je suis obligé de freeze de toute façon. Là, push, ça va absolument rien m'apporter à part me foutre dans la merde. Ils ont changé les skins des creeps, ils sont dégueulasses. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça.
Donc là on est à 30%. On commence à pouvoir spam un peu plus. On a 72 de buveux, ça va. Il pourrait y avoir pire. On flash hein. Allez, bien sûr. Hey, putain, je suis derrière le creep et je prends la lance. Logique quoi. Putain de logique. Bon. On va attendre. Evelyne, elle se touche. Putain. Super quoi. Bon là, je prends le trade. Voilà de la chatte. Voilà de la chatte. Non, 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 non. J'ai eu peur. Je me suis vraiment chié dessus là. Là, je me suis vraiment chié dessus. Oh là là. Voilà, elle a fait la maline. Elle est venue trade au milieu de mes sbires en fait. Donc elle s'est un peu. Elle s'est un peu niquée toute seule. Oh, le creep block il est vraiment réel quoi. Ah, elle avait son TP. Ok. Elle avait son TP. Donc voilà, on rush car gelé. Mais ça, voilà, ça c'est un truc qui me saoule. C'est un truc qui me saoule, c'est que t'as Nasus top, t'es jungle, t'as possibilité de gank et tu gank pas. C'est Nasus, faut le mettre bien en fait. Nasus, tu le mets bien, après tu le laisses tranquille. Même pas forcément lui laisser les kills, hein. Pas forcément ça. Hein. Ah pourquoi? Ah bah non, ok. My bad. J'ai mis ce clic. Vous voyez? T'as mis de life. J'ai 115 d'armure. Elle a une brillance. Elle m'a mis mid life en 2-2. On va faire ça. Putain. Ah puis elle freeze bien la bitch. Elle freeze bien la bitch. Hop. Max LZ en deuxième. Elle freeze tellement quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse des freezes comme ça. Oh mais ta gueule quoi. Qu'est-ce que c'est horrible, champion de merde quoi, champion cancer, c'est un truc de ouf. C'est un putain de champion cancer quoi. C'est tanky, ça fait des dégâts monstrueux. Ah Nasus ça fait des dégâts monstrueux mais c'est à partir de 30 minutes quoi. C'est pas dès le niveau hein. J'ai pas vu celle à gank, j'étais trop concentré sur mon farm. Merde. Allez go 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 go. Bon puis elle peut le prendre. Moi ça me dérange, comme j'ai dit. Moi, le jungle qui prenne le kill ça me dérange absolument pas. On n'est pas spécialement besoin sur Nasus, juste qu'il vienne gank en fait. Comme ça je farm. Et l'autre elle perd du farm. Oula, j'ai vu une ombre dans le bush là. Ah, ça devait être un bug.
Ça, l'hôtel perd ma scrip. Hop. Viatch. Et on va partir. Sur le rendu 1. On va partir sur le rendu 1, je pense. Là, pour le coup, on n'est pas forcé de faire le visage spirituel. Même si on peut le faire. Hein. Et après, Irelian a vraiment zéro dégâts AP. Il n'y a que Nidalee. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire la Banshee aussi. Ils ont Xerath Nidalee, ça deal pas mal. Ça deal fort en. Ça deal fort en. En chocolat. en AP. Donc voilà, j'ai 40% CDR. Maintenant. Maintenant, on est super bien. Oh putain, je sais pas encore les creeps. Donc là, je peux maintenir la lane. Je peux freeze. Ah putain, la TP, j'ai pas vu. Bah, faut que je push. Hein. Ah putain, je fais de la merde, je suis pas concentré. Vraiment pas concentré. Je vais push. Le problème c'est que là, détruire la tourelle ça m'arrange vraiment pas. Elle a quoi? Ok. Je vais repush. Bon, je suis à 258, je suis un peu à la bourre. Hein. Là, faudrait que je sois. Ouais, 300, ça c'est pas mal. Ça reste pas trop mal. Voilà, j'ai 200 d'armor. Mais vous voyez, même avec 200 d'armor, il se peut que je ne puisse pas. Ah, je peux pas TP. Il se peut que je ne puisse pas la trade. Hein. Donc là, je garde mon TP au cas où. Je sais pas si le Drake a été fait par contre. Je regarde. Non, il a pas été fait.
elle laisse la tour l'autre. Hein. De la chatte en plus. Bien joué ça. Là comme ça on pousse la tour. Elle aurait pu flash mais vous voyez au final elle l'avait donc au final elle l'avait donc donc c'est worth it. Et puis elle, elle a récupéré un kill la Evelynn donc. Ok, alors hop, tac tac, on va vendre ça, on va acheter la trinket. Ouh, ça commence à deal. Par contre, c'est vrai que j'ai pas de RM là. Oula, ouais. Ouais, c'était une mauvaise idée. Bad ID. J'ai pas vu la hache. Putain, oh là là, je prends cher. Je prends super cher. Je vais perdre la tour au top. Je vais faire une Banshee. Je vais faire Banshee et visage spirituel. Un allié a été tué. C'est con ça. Friedrich. Qu'est-ce qu'il fait le trash? Ah oui, mais c'est. Mais c'est ça que je trouve drôle dans le jeu, il y a toujours des trash en fait. Il y a toujours des supports qui trash. Là le trash, par exemple, le mec il y allait tout seul. Enfin, tu sentais genre, allez, on va se suicider. C'est dingue quoi. Je trouve ça assez dingue. Forme un peu. Je monte à 420 minutes, là, je suis un peu à la bourre. Kenida, elle est en bas. Oh mais c'est pas vrai! Oh non! Mais non! Quoi? Oh le stun! J'ai tellement pas de chat! Oh ils ont de la chat, c'est un truc de ouf! Ah ce stun quoi! Xerath! Sérieusement! J'étais cessé mais monstrueux quoi!
Puis Xerath, c'est... Xerath, je vais avoir du mal à l'atteindre en fait. C'est le problème aussi. Ils ont beaucoup de contrôle. À part Nidalee, ils ont beaucoup de contrôle. Combien Xerath? 0-1. Ah, pourtant il est pas feed. Hein. Il est pas feed mais il m'éventre. Un petit peu. Ouais, l'art de pas tanker. La tristesse de League of Legends. Entre la vie et la mort, il y a l'immortalité. Votre tourelle a été détruite. Je suis pas si bien que ça en fait. Hein. Mon équipe non plus. J'aurais pas dû jouer Nasus. J'aurais dû piquer un truc qui est beaucoup plus early. Ouais ouais j'arrive. Je vais pas défendre un V4 quoi. No more AFK mais un Asus qui farm pas, c'est un Asus useless hein mon gars. Gaou. Ils ont tellement de quoi kite en plus quoi. Ah c'est vrai qu'il y a sa lanterne, j'ai pas vu. Ah j'ai tellement pété, allez hop vas-y file un doublé. File un doublé gratos quoi. Putain, tellement hard quoi. Forme, hein. Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ah, le problème, tu remarques. Hein. Non, laisse-la moi, s'il te plaît. Voilà, respecte-moi. Moi ça me fait chier de perdre contre des gens nuls en fait. C'est ça qui me saoule. Mais vu qu'avec toi ils savent pas non plus jouer, bah. C'est comme ça. Ça me blase un peu en fait. Ouais ils sont chiants aussi, ils arrêtent pas de se flame quoi. C'est le cancer aussi hein. Moi je flame là, par exemple là je flame, mais les mecs l'entendent pas. Donc y a pas d'impact négatif entre guillemets. Eux ils se flame entre eux dans la in-game. Si tu fais, tu vas mourir. Tu sais que tu vas mourir. Mais c'est con quoi, enfin, voilà, toi là c'est pareil, c'est une mort conne quoi. Je suis à combien? 471, je suis un peu à la bourre. Eldrick. Ah, il vient de le faire. 32. Ça a le don de me saouler quoi. Même elle a le temps quoi.
Allez, lose. Je peux rien faire, hein. Enfin moi mon top était gagné personnellement donc Ah, vous voyez, il y a quoi comme stuff pour pas réussir à OS une. Ah, d'accord, oui, voilà. Poubelle Diana, voilà, ça c'est nul, c'est nul à chier ça. Vous voyez ça là? C'est nul à chier. Un allié a été... Oh là là, oh, sérieusement. Cette team quoi. Oh putain. Dites-vous, en fait, là, la vidéo, je la fais parce que, en fait, je suis à la bourre. Je suis grave à la bourre. Normalement, je dois la poster le vendredi et là, on est jeudi. Enfin, on est vendredi, il est minuit, quoi. T'arrives quoi, toi? C'est des couilles, quoi. Oh la vache, je pense qu'elle m'a mis l'autre. Et je vais pas la tuer. Et je vais pas la tuer. Et je vais mourir, oh d'accord, paye ta chatte quoi, voilà. Voilà, paye ta chatte, y'a pas d'autre mot. Oh là là. Tellement bien League of Legends. Moi je kiffe ça. Hein. Donc voilà pourquoi moi je. Pourquoi je. Comme j'ai dit, je suis repassé diamant. Je vais faire quelques games comme ça en rotation, mais je vais pas forcer quoi. Enfin. Vous voyez. T'as une bot lane qui a 17 morts quoi. T'as une bot lane qui a 17 morts. 17 morts en 28 minutes on va dire. 28 minutes, 17 morts quoi. C'est voilà. Diana elle a un stuff de merde. Voilà, écho de Luden sur Diana. Non. Voilà, je vous le dis non. Evelyne elle est partie tanky. Non plus. Elle a fait quoi comme item? Ouais, ok, c'était AD tank. Voilà, c'est. Putain, c'est genre j'ai. Enfin voilà, Evelyne en ce moment c'est AP. Evelyne tu la joues full AP, c'est complètement pété et tu tombes sur la Evelyne qui joue tank AD. Voilà. T'as un Graves qui est à 2-10. T'as le mec qui joue Graves. Enfin t'as Ashe, t'as Vayne. Kalista, je crois qu'elle était ban. T'as Jinx. Et tu joues Graves, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, nous on a gagné notre lane au top. Hein, donc, on s'en fout, personnellement. Voilà. Les décals, Nasus décale TP. J'aurais pu, mais c'est pas bon pour Nasus. Voilà. Enfin, moi, en général, je TP pas avant d'avoir pété la tour. Parce que Nasus en fait il a besoin de farm et au début il est super squish. Ce qui fait que si vous faites un TP vous risquez de mourir à part si vous êtes vraiment overfeed. Là c'était pas le cas, hein. j'étais bien sans plus. J'ai tempo la lane, j'ai pas feed Irelia. Voilà. Mais vous voyez je suis top.
Je suis top, j'ai pas bougé, j'ai farm, j'ai plus d'influence que le Graves, hein. C'est la preuve même. Plus d'influence que le Graves et le Thresh. Plus d'influence que la Diana, et autant d'influence que la Evelynn. Voilà, c'est là où vous dites, c'est là où vous dites il y a un réel souci en fait. Là, il y a un gros problème. Et dans ce cas-là, tu perds. Tu perds parce que tu peux pas gagner. C'est impossible de gagner. Surtout qu'en plus, j'ai Nasus, quoi. Enfin, Nasus, c'est à partir de. Ouais, c'est à partir de 30 minutes où tu commences à être fort, quoi. Et quand t'es tout seul, bah, Nasus, ça sert strictement à rien. Donc voilà. Nasus. Max le 1 en premier, le Z en deuxième, le E en troisième. Alors ça dépend si. Mais le Z, c'est bien de le maxer en deuxième, parce que le contrôle est quand même assez insane. En plus, là, quand vous avez un AD en face, voilà, le Z, c'est too much, entre guillemets. J'ai pas regardé les dégâts, j'en suis à combien? J'ai fait plus de dégâts que le Graves et la Diana. Voilà. Oui, Diana. Diana. Sceptre abyssal sur Diana, ok, mais pas en first. À part si t'as vraiment. Genre, tu te fais vraiment péter le cul, voilà, tu pars en first, mais sinon. Et voilà, Echo de Luden, t'as vu, ça deal masse. Hein. Sauf que Diana, tu tankes pas, donc tu te fais ouvrir. Le Zhonya est limite 300 fois mieux que le Luden en deuxième. Donc AZE, stuff, cœur gelé rendu 1, visage spirituel, trinité, et là par exemple, là j'aurais fait une banshee. Même si de toute façon tout le monde était feed. Hein. Sans exception, même Irelia a fini à 4-3-5. Hein. Même Irelia a fini à 4-3-5 alors qu'elle était à 0-2, je crois. Donc voilà. Sur ce, bah écoutez, sur cette game de merde, j'espère que ça vous a quand même plu. Vous pouvez me suivre, enfin vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter ainsi que Twitch, Twitch.tv. Vous trouverez tous les liens dans la description sous cette vidéo YouTube. Sur ce, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de faire ce que Sando a dit, petit margoulin que tu es, et suis-le sur Facebook, facebook.com/sandotv, ou bien Twitter, @sandophobia. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu trouveras ces liens dans la description sous cette vidéo. Merci bien mon petit Pékinois sucré, hashtag OMG Yasuo s'est complètement pété.